On dit toujours que le premier repas est le plus important de la journée. Alors j'ai pensé à vous et je vous présente mon top 5 des meilleurs restaurants à déjeuner à Laval. En cinquième position, un restaurant très populaire au Grépin. Les plats sont savoureux, classiques, ils ont une jolie terrasse et une petite mention pour leurs gaufres qui sont excellentes, surtout avec la crème fouettée. En quatrième position, la crêperie est à l'honneur avec le restaurant Tango au Centropolis. C'est pas un restaurant à déjeuner classique, mais ils offrent tout de même des déjeuners et surtout des crêpes délicieuses. Vous pouvez opter pour des crêpes salées ou sucrées. Et je souligne au passage que le restaurant est aussi un bar à cocktails et une gelateria, donc on peut y déguster de la bonne crème glacée italienne. En troisième position, la Bicoque au soleil à Saint-Vincent-de-Paul. Un petit resto mignon comme tout qui suggère des plats traditionnels, maison et évidemment très bons. En deuxième position, un excellent restaurant qui mise sur les déjeuners santé. Le restaurant pur et simple. Le menu propose des produits frais, des jus et smoothies bio, des produits sans gluten, des alternatives pour les intolérances, des saucisses et bacon de dinde, et même des poules en liberté. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que les éleveurs s'assurent d'élever les poules dans de meilleures conditions de vie. En première place, mon grand coup de cœur, Le Frier. C'est la place pour manger des plats copieux, décadents. Et si vous êtes comme moi et que vous tripez sur le Nutella, ben il y en a partout, dans les gaufres, dans les crêpes, dans les milkshakes. Mais ils se démarquent particulièrement avec leur incroyable poutine à déjeuner. Voilà, c'était mon top 5 des meilleurs restaurants à déjeuner à Laval. On aime ça manger, puis on s'assume. Et si vous voulez gagner le concours, je vous invite à partager la vidéo.